Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Si vous êtes là, vous pouvez faire signe par messagerie pour nous mentionner le pays depuis lequel vous nous regardez. Nous allons accorder 5 minutes à ceux qui ne sont pas encore là. Étant donné que ce live a été planifié, on a communiqué là-dessus. Moi, je suis là pour répondre aux questions et pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants du visa touriste. Maintenant, si les gens reviennent en inbox poser des questions, les gens qui n'étaient pas au live, je suis désolé, je ne pourrai pas vous répondre. Je vais directement vous dire de venir regarder ce live. Parce qu'ici, on est censé... parler de tout. Voix et parole, salut, j'espère que tu vas bien. C'est depuis quel pays? Oui, c'est le live en question. Toi, tu es déjà connecté, c'est bien. Ici, vous aurez la possibilité de poser vos questions et on pourra discuter. Si vous avez vous voulez des réponses à certaines préoccupations, on pourra en parler. Donc, comme je vous ai dit, nous allons faire les lives là, étape par étape. Aujourd'hui, nous allons commencer par le visa touriste, tout ce qu'il y a à savoir sur le visa touriste. Et nous allons faire un autre live pour la développerie, un autre live pour le visa étudiant. Et tout dépendra de la réaction, tout dépendra de l'interaction. Si je vois qu'il y a très peu de personnes qui sont motivées par le visa touriste, on va plus se focaliser sur le développerie. Parce que la chaîne n'est pas faite pour parler rien que de tout et de rien. Il faut qu'il y ait de l'interaction. Syria depuis le Togo, c'est déjà ça, parole et... Voix et parole depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est présentée. Ah, ok. Anastasie, visa pour touristes. C'est bien. Nous allons commencer tout à l'heure. Pour le visa, pour développerie, on a dit qu'on va faire un autre live pour la développerie où je vais expliquer tout, du début jusqu'à la fin. On pourra poser les questions. Mais sache déjà que la développerie se joue chaque mois d'octobre, du mois d'octobre au mois de novembre. C'est là où on joue à la développerie. Donc, il nous reste une minute pour déclencher, pour parler de... Oh, ok. Donc, Abdou, c'est depuis le Togo également. Togo est toujours représenté. Ils sont très motivés quand même. Donc, vous aurez toutes les questions à poser sur le visa touriste. Moi également, je vais donner plus de détails. Parce que je sais que dans mon inbox, avec les 3000 messages que je vois là-bas, tout le monde parle de visa touriste. Et certains hésitent même à prendre des rendez-vous en privé parce qu'ils se disent, bon, peut-être j'aurais voulu que ça soit gratuit, qu'on le leur explique. Maintenant qu'on crée un live, où nous pouvons parler entre nous. Partagez déjà le live, likez. C'est la seule chose qu'on peut vous demander. Je ne vous demande pas de l'argent pour assister à un live. Likez, partagez, commentez, dites ce que vous ressentez. C'est la seule chose qui prouve que vous êtes motivé par une plateforme, que la plateforme vous donne des informations. C'est important. N'hésitez pas à liker. Voilà. Les gens qui sont motivés, ce sont des gens-là dont je retiens aussi les noms. Lorsque je vois qu'ils ont une préoccupation, même si je suis occupé, je vais tout faire pour venir répondre.
parce que ce sont les personnes qui soutiennent la plateforme. Mais je ne pourrais pas répondre facilement à quelqu'un qui arrive aujourd'hui, dès qu'on lui répond, il disparaît. Il ne reviendra que lorsqu'il aura encore une autre préoccupation. On appelle ça utiliser les gens. Ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas encourager ce comportement. Alors, nous allons commencer à parler du visa pour touristes. La toute première chose à faire lorsque vous voulez venir aux États-Unis à travers le visa touriste, c'est déjà de vérifier si vous répondez aux critères, de ne pas prendre des risques pour rien. C'est aussi se dire que lorsque je pars, il faudrait que ça soit une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas qu'on me refuse le visa pour la première fois. Je ne veux pas revenir pour la deuxième fois. Je dois maximiser pour la toute première fois. Donc, je dois savoir exactement les critères. Si je réponds à ces critères-là, parce qu'il faut avouer que ce n'est pas tout le monde qui peut venir ici en tant que touriste parce qu'il y a des choses à prouver. Le premier principe, Tierno, bonjour, j'espère que tu vas bien. Le premier principe, c'est de se dire que il faut que tu prouves que tu vas revenir. Parce que c'est un visa non immigrant. C'est-à-dire, tu n'es pas censé venir rester ici pour de bon lorsque tu voyages. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ou comment doit-on procéder pour prendre un visa touristique sans pourtant le rater? Alors, moi, j'explique toujours aux gens que le visa pour touristes se fait en trois étapes, trois grandes étapes que tu devrais avoir dans la tête. La toute première, c'est de connaître ton motif. Qu'est-ce qui te pousse à venir aux États-Unis? Qu'est-ce que tu viens faire? Chacun devrait être honnête avec lui-même et se poser des questions. Qu'est-ce que je pars faire aux États-Unis? Le motif est très important. Est-ce que tu viens en tant que touriste? Est-ce que tu viens rendre visite à quelqu'un? Est-ce que tu viens pour un business? Est-ce que tu viens pour une visite médicale? Quel est l'objectif de ta venue ici? Dès que tu trouves cet objectif, et cet objectif doit être bien formulé. Deuxième étape, est-ce que j'ai les moyens pour voyager? Est-ce que j'ai les moyens qui peuvent me permettre de voyager? Si je n'ai pas de moyens, est-ce que j'ai quelqu'un qui soit capable de s'occuper du côté financier? Est-ce que j'ai un oncle? Est-ce que j'ai un ami? Est-ce que j'ai un frère qui va me couvrir financièrement? Parce que ça arrive. Il peut arriver que tu aies un petit ami qui veut t'envoyer aux États-Unis pour tes vacances. Il peut arriver que ce soit ton père qui, peut-être il est fier de toi, il dit non, je veux que tu ailles d'abord te reposer aux États-Unis. Ça peut aussi être toi-même. Tu veux te faire plaisir ou tu veux faire plaisir à tes enfants, mais tu dois regarder le côté financier. Est-ce que tu as assez de moyens? Et la troisième étape, c'est le lien au pays. Est-ce que tu as des liens forts au pays, chez toi? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des choses que tu détiens au pays qui peuvent faire en sorte que tu reviennes? C'est-à-dire, quand tu vas venir aux États-Unis, tu ne vas pas rester parce que tu as des responsabilités au pays. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, si on se focalise sur la troisième étape, le lien au pays. Le lien au pays peut être la famille. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Parce que les enfants peuvent faire en sorte que tu reviennes. Est-ce que tu as un boulot? Le boulot est très, très important. Lorsqu'on veut prouver qu'on a des liens au pays, le boulot est très, très important. Parce qu'il suffit que tu aies une lettre de ton employeur. Il suffit que tu aies une lettre de ton chef prouvant que tu vas en vacances, par exemple pour 2 semaines, par exemple pour 1 mois.
C'est très, très important. Ceux qui travaillent ont la possibilité de facilement voyager. Donc, voilà les trois étapes. Maintenant, lorsqu'on va aller de manière détaillée, chez qui tu pars? Est-ce que tu as une lettre d'invitation? Pour l'objectif, je sais déjà que je viens ici pour visiter. Mais je vais chez qui? Est-ce que je vais chez quelqu'un? Si je n'ai personne, est-ce que je vais louer une chambre d'hôtel? Alors, avant, ça sont des questions qu'on est censé se poser bien avant d'aller remplir le document DS-160 en ligne. Parce que lorsque vous irez remplir ce document-là, il va falloir mettre certaines informations importantes. Lorsque vous remplissez ce document, on va vous demander là où vous partez. Chez qui? C'est dans quel état, par exemple? Si c'est chez quelqu'un, est-ce que vous pouvez avoir le nom de cette personne et son adresse? Le nom de cette personne, le lien que tu as avec cette personne, est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est, je ne sais pas, ton rival? Quel est le lien? Donc, c'est à toi de mentionner cela. Donc, la personne qui t'invite, qui fait la lettre, doit mentionner son adresse, son nom. Et toi-même, tu pourras, lorsque tu vas remplir ce document, tu pourras donner le lien. On n'a pas besoin d'autre chose sur la personne. Sauf si c'est la personne qui va, sauf si c'est cette personne-là qui va aussi s'occuper de ton côté financier, c'est là où on pourra demander d'autres documents. C'est-à-dire, est-ce que cette personne ici a déjà sa propre vie? Est-ce qu'il est capable de se nourrir lui-même avant de s'occuper de toi? Est-ce qu'il a la preuve qu'il paye les impôts? C'est très important. S'il a les papiers sur son W2, s'il a les papiers sur ses impôts, c'est très important. Ça prouve que c'est un bon citoyen. On peut lui faire confiance. Est-ce qu'il gagne bien sa vie pour s'occuper non seulement de sa famille, mais aussi de toi? Ça, c'est lorsque tu comptes sur la personne pour payer ton voyage. Donc, c'est très, très important. Je vais chez qui? Pour combien de temps? Tu dois encore te demander. Pour combien de temps tu viens ici? Est-ce que tu viens te reposer pour 2 semaines? Quels sont les endroits que tu vas visiter? Je viens pour 2 semaines. Je viens pour 1 mois. Je viens pour 2 mois. Je vais visiter tel ou tel endroit. Si tu n'as personne aux États-Unis et que tu as réussi à louer une chambre d'hôtel, il te faut l'adresse de cet hôtel et le nom. Quand tu vas remplir ton document, ton formulaire en ligne, il va falloir mettre cette adresse. Et le nom, très très important. Maintenant, dès que tu quittes ce côté-là, côté financier, il va falloir que tu aies des relevés bancaires. Ton relevé bancaire, est-ce que tu as un compte? Combien as-tu dans le compte? Je disais la dernière fois que les gens qui me demandent toujours, mais combien devrais-je avoir pour voyager, pour aller aux États-Unis en tant que touriste? Chacun ne peut pas avoir la même somme. Chacun sait ce qu'il vient faire ici et pour le nombre de temps qu'il vient ici. Donc, lorsque tu vas préparer ton argent, c'est par rapport au séjour que tu viens passer ici. Tu ne vas pas me dire que tu veux avoir la même somme que celui. Si toi tu viens passer 3 mois, tu veux avoir la même somme que celui qui vient passer 2 semaines. Non. Et je vous disais la dernière fois que les Américains ne donnent pas une somme exacte, mais les Américains précisent quelque chose. Pour l'Américain, lorsque tu viens aux États-Unis, la dépense journalière, c'est 266 dollars pour eux. Maintenant, pour eux, tu es censé dépenser 266 dollars par jour. Si tu veux connaître combien tu devrais avoir, il faut que tu multiplies les 266 dollars que tu dépenses par jour par le nombre de jours que tu comptes venir faire ici pour connaître un peu le minimum de ce que tu devrais avoir. Si tu as plus, tant mieux. Si tu viens passer 1 mois, multiplie par 30 pour voir un peu combien tu devrais avoir. Là, c'est le côté financier.
Maintenant, les liens, comme je vous ai dit, il faudrait que vous ayez une famille, un boulot. Moi, je me rappelle, à mon époque, j'enseignais déjà, j'étais professeur, donc c'était un peu plus facile pour moi. J'avais la preuve que je travaillais et j'avais déjà commencé à travailler pendant 4 ans. Donc, la preuve était déjà là que je travaillais. La preuve était déjà là que je gagnais de l'argent. Donc, lorsque je suis allé à l'interview, il a seulement vérifié dans son ordinateur si je travaillais réellement et pour combien de temps, parce qu'il m'avait demandé depuis combien de temps travailles-tu. Et je lui ai dit, il m'avait posé 3 questions seulement. Il n'a vérifié aucun document. Donc, chacun devrait avoir ses documents au complet. Rassure-toi d'avoir tous les documents qui pourront t'aider à soutenir ta thèse, à soutenir ton point de vue. Donc, dès que tu as répondu à toutes ces questions que j'ai mentionnées, tu peux déjà aller remplir ton document en ligne. L'objectif, le côté financier et le lien au pays. Est-ce que j'ai des titres de propriété? Est-ce que j'ai des titres fonciers? Est-ce que j'ai des maisons? Est-ce que j'ai une entreprise? Si tu es chef d'entreprise, c'est un bon lien. Tu viens avec des papiers de ton entreprise parce que ça va prouver que tu viens peut-être pour te reposer. Tu as trop travaillé, tu viens pour te reposer, mais il y aura quelqu'un pour superviser en ton absence. Mais tu vas revenir. Si tu as une activité, va avec des papiers qui prouvent que tu as une activité en place. C'est important. Donc, ne venez pas, ne cherchez pas. C'est pas parce que vous voyez tout le monde partir que vous allez aussi vous jeter et vous retrouver dans une situation où on vous refuse le visa 4 ou 5 fois. Et une fois, on commence déjà à arriver à la 3e fois. Votre nom est déjà un peu sali dans le côté, disons, dans la liste rouge. On commence déjà à se poser des questions sur vos intentions. Est-ce que celui-là veut réellement partir là-bas en tant que touriste parce qu'il ne fait qu'insister? Et je vais vous dire exactement ce qu'il faut aussi faire lorsqu'on vous a déjà refusé le visa pour la première fois. Parce qu'on ne fonce pas pour foncer. Il faut vous informer. Alors, une fois que tu as déjà rempli ton document en ligne, le document en ligne se remplit en anglais par rapport à ton pays. Tu te retrouves peut-être, si tu es au Mali, tu vas sur le site, tu remplis ton document et tu prends ton rendez-vous. Dès que tu payes, on te permet d'avoir accès à ton rendez-vous. Tu vas connaître le jour et l'heure. Donc, tu auras ta date. Tu te prépares. Je vous assure, si on est sur les réseaux sociaux pour en parler, c'est parce qu'on sait que la préparation est très, très importante. Lorsque vous vous entraînez, ne prenez pas le risque d'aller à l'ambassade sans être prêt. Même s'il s'agit de vous, parce qu'il y a des gens qui se disent, de toute façon, il va me poser des questions qui me concernent. Moi, je maîtrise déjà. Mais est-ce que tu sais ce que le stress est capable de faire à quelqu'un lorsque tu es à l'ambassade? Parce que même lorsque tu es stressé, il arrive que tu oublies des choses. Mais si tu ne t'étais pas entraîné, tu passes à côté. Et je rappelle ici que l'interview, c'est en quelques minutes. Au trop, 10 minutes. Au trop. S'il a mis du temps avec vous, ça va être 10 minutes. Parfois, c'est 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Parce qu'il a beaucoup de personnes à interroger. Donc, lorsque toi tu arrives, il faut que tu maximises. Alors, nous arrivons à l'étape. Je vais finir, comme ça je pourrai lire vos questions, vos préoccupations après avoir fait mon exposé. Comment se prépare-t-on pour l'interview? Premièrement, au niveau des documents, lorsque vous avez déjà votre date d'interview, rassurez-vous, pour le passeport, ne faites pas comme les autres. Lorsqu'ils vont à l'interview, parfois ils oublient le passeport. Parfois, ils ne savent pas que le passeport est important.
S'il va avec un enfant, parfois il oublie que l'enfant devrait avoir son passeport. On va te mettre le visa sur quoi? Donc c'est important, votre passeport devrait être valide, devrait avoir une validité. Moi, eux, ils disent 6 mois, mais moi, je préfère même 8 mois, sinon quelques années. Ce serait bien. Lorsque vous avez un passeport qui a une validité de 5 ans, lorsqu'on va vous donner le visa, on va se dire, son passeport a encore une grande validité. Boum, on te donne un visa de 5 ans. Parce que le passeport est ouvert. Si tu pars avec un passeport strict, c'est-à-dire une validité de 6 mois strict, on va aussi te donner peut-être un visa de 6 mois. Alors que tu aurais pu avoir un visa de 5 ans ou de 2 ans ou encore de 4 ans, je ne sais pas quoi. Rassurez-vous d'avoir un passeport qui a une grande validité. Si vous savez que vous n'avez pas encore votre interview et que votre passeport a déjà une validité de 5 mois, vous ne pouvez pas partir. On ne pourra pas vous mettre de visa. Parce qu'on permet à chacun, à chaque touriste, de passer au trop 6 mois dans le pays. Donc le passeport doit avoir au minimum 6 mois de validité. Minimum. Moi, je vous conseille d'avoir plus. Donc, cherchez aussi de bons endroits pour faire des photos, parce qu'il y aura des photos, photos passeport, dans n'importe quel pays, il y a des possibilités. Dans des malls, vous allez vous dire seulement, je veux faire photo pour passeport. Eux, ils savent déjà le format qu'il faut. Alors, comment se préparer? On va d'abord se focaliser sur comment s'habiller. Il y a des gens qui paniquent énormément sur ça. Ils ne savent pas comment s'habiller. Ils se disent que s'ils mettent trop de choses, ça va faire en sorte qu'on annule, qu'on leur refuse le visa. Oui, mais imaginez quelqu'un qui vous interroge et que vous, par exemple, vous venez avec des tatouages jusqu'aux yeux. Vous venez avec des habits ouverts. On va prendre le cas des filles. La poitrine est exposée. Je vous assure, ceux-là sont très sensibles. Ce n'est pas qu'ils seront attirés par vous, mais ils analysent des petites choses, des petits gestes. Ils peuvent prendre ça mal et vous refuser le visa. Une femme qui va venir avec une poitrine ouverte, c'est-à-dire on voit la poitrine, on peut se dire qu'elle est venue pour séduire. Et celui qui t'interroge peut mal prendre cela. Il peut m'arriver que tu tombes sur une autre femme qui va te dire, mais je ne sais pas ce que tu es venu faire comme ça. Donc, habillez-vous décemment. Si tu es un homme, tu prends ton pantalon bien propre, tu prends ta paire de chaussures. Si c'est la paire de cuir, tu mets une belle chemise. Elle peut être noire, elle peut être blanche, mais à condition que ça soit propre. Rien de sale. C'est juste pour montrer à la personne qui va t'interroger que tu respectes le lieu, que tu respectes celui qui va t'interroger. Tu ne veux pas venir ici froissé. Ceux qui vont s'habiller en paille, tant mieux. Il suffit seulement que tout soit bien, bien couvert. Les femmes, une belle jupe qui dépasse un peu les genoux, bien avec votre talon, très très bien habillé, de manière classe. Vous montrez que vous êtes responsable. Et ce que je vous déconseille, c'est le mensonge. Je sais que beaucoup, peut-être, beaucoup tombent aussi sur les agences qui leur proposent certains petits mensonges. Dis ceci pour que ça passe. Dis cela pour que ça passe. Mais à condition que ça passe réellement, il ne faudrait pas que ça te porte préjudice après. Parce que s'ils découvrent que vous avez mis dans vos trucs, dans votre lot, dans votre chemise, des documents qui ont été falsifiés, vous êtes mis au rouge. Votre nom est mis au rouge. Non seulement vous-même, vous ne pourrez plus avoir accès au visa américain, mais vous allez aussi empiéter sur la vie peut-être de vos enfants. Peut-être que ton enfant a envie de venir aux États-Unis et que toi, tu as les moyens. Une fois qu'on voit ton nom, on va se dire, cette personne a déjà son dossier négatif ici. Cette personne avait introduit dans son dossier des faux documents. Donc, on se dit que les documents qui sont dans le dossier de son fils sont aussi faux.
Parce que cette personne n'a pas pu dire la vérité quand elle est venue ici. Elle va certainement faire la même chose. Donc, il faut savoir que le mensonge n'est pas bien. Moi, je préfère même celui qui passe honnêtement, même si on lui refuse le visa, mais au moins, il a la possibilité de passer plusieurs fois. Et je rappelle ici aussi que lorsque vous allez à l'ambassade, eux, ils se mettent déjà dans la tête que vous êtes suspect. C'est le réflexe. Pour eux, vous voulez venir rester. Mais c'est à vous, c'est la façon dont vous allez vous comporter. C'est la façon dont vous allez remplir vos documents qui prouvera que vous êtes sincère ou pas. C'est pour cela qu'on parle d'entraînement. Vous coachez. Entraînez-vous. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube, vous regardez, vous essayez d'adapter cela à votre dossier. Ne prenez pas toutes les réponses qu'on donne sur YouTube, non. Lorsque quelqu'un donne une réponse ou lorsque quelqu'un explique son histoire, essaye de voir si dans cette partie de son histoire, il y a une partie qui intéresse ton dossier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit dans son histoire que pour que j'obtienne mon visa, j'ai dû dire que j'allais en Alabama. Mais toi, tu ne vas pas à Alabama. Tu adaptes les réponses qu'on donne sur YouTube par-ci, par-là, par rapport à ton histoire, par rapport à ta réalité. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Nous n'avons pas le même passé. Parce qu'il peut arriver que celui à qui on a refusé le visa avait un passé sombre. Toi, tu vas penser qu'on va aussi te refuser le visa. Non, chacun a sa chance. Lorsque tu pars là-bas, dis-toi que tu as ton dossier vierge. Tu dois défendre ton identité. Ne va pas là-bas pour regarder X ou Y. Alors, le jour de l'interview, disons même à la veille du jour de l'interview, préparez vos documents. Prenez une chemise. Vous classez vos documents. Je vais commencer, je vais remplir ma chemise premièrement avec, par exemple, le passeport, la page de confirmation, la page de confirmation de paiement, c'est-à-dire lorsque tu as déjà payé les frais, tu classes. C'est important, n'oubliez rien. Faites-le à la veille. Ne le faites pas le jour où vous allez vous réveiller en sursaut. Vous allez vous réveiller en sursaut et vous commencez à prendre les documents. Non, à la veille, on se prépare. Documents, page de confirmation de DS-160, page de confirmation de paiement, lettre d'invitation, relevé bancaire, passeport. Si j'ai les lettres de mon employeur, c'est-à-dire si je travaille, les papiers concernant mon entreprise, par exemple, les papiers concernant mon travail, les papiers concernant, par exemple, ma famille. Si tu es marié, est-ce que tu as les papiers de l'acte de mariage? Tu m'as. Aucun document n'est négligé. Mieux vaut qu'on ne te demande rien lorsque tu as tous les documents, au lieu qu'on te demande quelque chose alors que toi, tu l'as oublié à la maison. Ça va vraiment te faire de la peine. Donc, dès que tu finis de classer, tu dors. Moi, je vais vous dire comment moi j'avais fait. Dès que j'avais fini de classer, mon rendez-vous était vers 9h comme ça, 9h30. Et j'avais dormi. Mais malheureusement, je m'étais réveillé. Je peux même dire heureusement, je m'étais réveillé à 24 heures. Parce que dans ce genre de choses, lorsque j'ai un projet, il m'est difficile de dormir. Parce que j'ai toujours peur de me réveiller en retard. Donc je m'étais réveillé à 24 heures. J'ai recommencé à réviser. Je suis encore reparti sur YouTube. À l'époque, YouTube était encore difficile, il n'y avait pas TikTok. J'ai regardé les vidéos des autres. J'ai essayé d'adapter les réponses à mon histoire. Et je continue à réviser. Si on me demande ceci, qu'est-ce que je vais dire? Et l'avantage avec moi, c'est que je me mettais toujours à la place de celui qui va m'interroger. Au cas où il me demanderait ceci, quelle serait ma réponse? S'il me pose telle ou telle question, quelle serait ma réponse? Est-ce que ma réponse est bien formulée? Toi-même, tu commences à t'entraîner. Tu commences à formuler tes réponses pour que le jour de l'interview, que ça soit du tic au tac. Dès qu'il balance, tu balances. Sans paniquer. Donc, je m'étais réveillé à 24 heures et je n'avais plus jamais dormi.
Parce que je m'étais encore dit, si je me rendors, je peux me réveiller à 10 heures. Et moi, je n'ai pas envie de donner la chance à l'échec. Non. Donc, j'étais resté éveillé en révisant. J'ai même encore vérifié mes documents. Parce qu'il peut arriver que pendant que tu dors, quelqu'un vient, il déplace ta chemise ou il enlève un document sans savoir. Donc, j'avais encore vérifié mes documents. Et je m'étais dit, il faudrait... J'avais pris cette astuce aussi sur YouTube avec quelqu'un qui avait dit, pour être en paix avec toi-même, si ton rendez-vous est à 9 heures, pointe-toi là-bas vers 8 heures au trop. 8 heures, tu es déjà à l'ambassade. 8 heures au trop, tu as encore 1h30 pour les péripéties. Parce que on va vous fouiller à l'intérieur. Donc, j'étais parti à 8 heures. Et à 8 heures, j'avais encore vérifié mes documents. Parce qu'il peut arriver que quand tu arrives à l'ambassade, pourquoi on demande aux gens d'aller un peu plus tôt? Parce qu'il peut arriver quand tu arrives à l'ambassade, tu remarques que tu as oublié un document sur le lit. Tu as la possibilité de repartir et de revenir sans stress. Donc, j'avais 1h30. Et lorsqu'on était arrivé, on est rentré. C'est la fouille totale. C'est la façon dont on vous fouille qui prouve même que vous êtes déjà aux États-Unis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes plus dans le même pays, même si c'est le vôtre. Mais en rentrant dans l'ambassade des États-Unis, vous avez l'impression que les choses ont changé. La façon dont on vous fouille, on vous met au scanner. On vérifie tout. N'allez pas, ça ne sert à rien d'aller avec les portables parce que vous allez forcément les laisser. On n'entre pas à l'intérieur, on ne va pas à l'intérieur avec les portables et autres. On ne va pas à l'intérieur avec les sacs. Vous allez tout laisser cela à la sécurité. Là où il y a la sécurité, il y a des endroits où on met tous vos effets. Vous allez là-bas rien qu'avec votre chemise. Et dans votre chemise, on va tout fouiller. S'il n'y a pas un couteau, s'il n'y a pas un tournevis, s'il n'y a pas un truc qui pourrait blesser quelqu'un à l'intérieur par rapport à la réaction que vous pourrez avoir. Donc, on se rassure que vous serez bien nu, rien qu'avec votre chemise et vos habits. Donc, une fois à l'intérieur, vous prenez place tranquillement. Vous restez concentré. Ce que j'avais remarqué, c'est que lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on a commencé à interroger les autres, vous pouvez écouter les questions qu'on pose à quelqu'un et les réponses qu'il donne. Vous pouvez au moins assister soit au refus, soit à l'obtention. Et je vous assure, ça fait paniquer. Parce que vous regardez, ce n'est pas loin. On est en train de torturer l'autre. Vous êtes là, on lui a demandé ceci. Toi aussi, tu commences à dire, qu'est-ce que je vais dire si on me pose ça? Au cas où on me poserait la même question, qu'est-ce que je vais dire? Et moi, je me rappelle à l'époque, j'étais avec un de mes frères camerounais. Lui et moi, on avait commencé à discuter. On voulait un peu s'évader pour ne pas être trop stressé. Mais malgré cela, mes oreilles étaient là où on interrogeait ceux qui passaient avant nous. Alors, mon frère camerounais est parti. Il est allé se faire interroger. J'écoutais les réponses qu'il donnait et les questions qu'on lui posait. Il n'a même pas fait 5 minutes. Il s'est retourné. On lui a remis le passeport. Dès qu'on te remet le passeport, ça veut dire que ton visa a été refusé. Moi, je n'avais pas encore compris le système. Donc, quand il s'était retourné, il m'a regardé. J'ai seulement vu une veine sortir ici, sur son visage, parce qu'il était énervé. Quelqu'un, tu as préparé ton interview pendant peut-être un mois. Ce n'est que la veine. Il n'a pas pu me répondre. Mais je me rappelle lui avoir demandé, est-ce que ça a marché? Il n'a pas pu me répondre. Il est parti. Et là, j'avais compris que ça n'avait pas marché. J'ai commencé à me dire, ah, l'homme qui interroge là-bas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est sorti de là avec un visa. Est-ce que c'est la même chose qu'il va faire avec moi? Après, je m'étais dit, tu ne t'es pas préparé pour venir t'occuper du sort des autres. Tu as la possibilité de changer ton histoire. Tu as la possibilité de prendre ton visa. Tu ne t'es pas préparé pour rien. Tu as passé des nuits blanches pour que tu sois là aujourd'hui. Alors, il faudrait que tu maximises. Donc, au lieu que je panique, j'ai commencé à me dire, je reste positif.
je garde ma mentalité alligator. Je ne vais pas me focaliser sur les échecs. Je ne vais pas me dire que celui-là, il refuse tous les visas qu'on lui demande. Je dis, avec moi, il va me donner le visa. Après cela, on m'a appelé. Je vous assure, si vous êtes impoli chez vous, c'est un endroit où vous êtes censé être poli. C'est vous qui demandez. Vous êtes censé être calme. C'est vous qui venez demander. Donc, lorsque vous arrivez, vous saluez la personne. Même si la personne ne vous répond pas, ce n'est pas votre problème. Mais vous avez été poli. Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bien, bonjour monsieur. C'est avec un petit sourire. Bonjour monsieur. S'il ne répond pas, tant mieux, mec. Cela ne vous déstabilise pas. S'il répond, très bien. Mais je sais qu'ils sont très polis. Ils vont forcément répondre. C'est vrai que certains ont des visages qui influencent directement. Lorsque vous les regardez, ils ressemblent directement au refus. Mais cela ne devrait pas vous décourager. Il peut avoir un visage qui ressemble au refus, mais il peut avoir un bon cœur. Donc, dès que vous passez par les moments de politesse, bonjour, bonjour, après il va vous dire passeport s'il vous plaît. De la même manière, vous me voyez faire dans les simulations, c'est parce que moi-même j'ai vécu cela. Passeport s'il vous plaît. Et de manière sérieuse, tu sens que là, ton cœur va tomber dans le ventre. Donc tu remets le passeport. Et pour ceux qui ne savent pas, votre façon de regarder est importante. Comment regarder l'officier consulaire? Ne paniquez pas. Ne regardez pas à gauche ni à droite lorsque vous lui parlez. Ne regardez pas à gauche ni à droite lorsqu'il vous parle. Premier truc, ils sont allés à l'école pour apprendre, pour savoir comment se comporte quelqu'un qui ment, comment se comporte quelqu'un qui hésite, comment se comporte quelqu'un qui cache les informations. Donc, ils savent lire notre gestuelle, ils savent faire la lecture de notre corps. Parfois, lorsqu'on ment, on bouge d'une certaine manière, nos yeux bougent d'une certaine manière, parfois on n'est pas concentré, on a du mal à le regarder en face. Donc, pour contrer cela, lorsque tu parles, tu le regardes. Et lorsqu'il te parle, tu le regardes également. C'est un signe qui prouve que tu as le contrôle sur toi-même, que tu ne paniques pas, que tu es sûr de toi. Tout ce que tu vas dire, vous-même, vous le savez. Lorsque quelqu'un vous parle avec les yeux et il vous regarde bien, vous sentez que la personne est sûre d'elle-même. Même si peut-être la personne est en train de vous mentir, mais c'est déjà un signe d'assurance. Je sais ce que je dis. Je n'ai pas besoin de paniquer. Donc, tu parles. Tu peux faire des gestes, mais des gestes très, très limités. Pas besoin. Chasser le stress. La peur touche tout le monde. Nous tous, on a été envahis par la peur. La peur touche chaque être humain. Mais c'est la manière dont tu la canalises qui est importante. La peur est seulement là pour t'effrayer, mais après, tu dis non, tu ne me domines pas. Ceux qui ne sont pas forts vont être dominés par la peur. Donc, ils vont stresser, ils vont trembler. Et dès que tu commences à trembler, c'est un signe négatif pour lui. C'est une alerte. C'est en train de dire, pourquoi il tremble? Qu'est-ce qui ne va pas? Après, il va commencer à creuser pour te faire craquer. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui craquent, qui menacent même. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Tu restes très poli. Tu réponds aux questions. Je vous ai dit, ça se passe en quelques minutes. Rassurez-vous de répondre correctement aux questions. Formulez bien les réponses. Que ne soyez pas évasif. Dès qu'on vous pose une question, vous allez faire quoi aux États-Unis? Vous savez que ça fait 2 ans que je travaille. Mes enfants commencent à se plaindre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller en Afrique du Sud? Est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois... Après, je me suis dit, les États-Unis, j'aime bien les États-Unis. Je vais aller aux États-Unis. Je vais aller faire quoi? Vous voyez que vous avez pris 3 minutes pour aller parler de vos enfants et de l'Afrique du Sud sans pourtant toucher la partie qui a la réponse. Il n'a pas assez de temps pour écouter ton histoire. Pour écouter ton récit, dites-lui ce que vous allez faire aux États-Unis.
Je vais, par exemple, visiter mon frère qui vit en Californie, dans la ville de Sacramento. Je vais lui rendre visite. Ça fait vraiment longtemps. Poum. Et pour combien de temps voulez-vous aller rester aux États-Unis? Je serai là-bas pour 2 mois. Comme je suis enseignant, nous avons des vacances de 3 mois et je me suis dit, bon, je vais passer 2 mois là-bas sans souci. Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, que vous voulez aller visiter aux États-Unis? Oui, bon, on m'a trop parlé. Je veux aussi aller visiter Los Angeles. On m'a trop parlé d'Hollywood. Je vois les films et tout, c'est passionnant. Je veux dire, je veux aller un peu voir ce que c'est. Boum. Tu réponds aux questions par rapport à la manière dont il les pose. Tu n'exagères rien. Tu restes concis. Par exemple, qu'est-ce que vous faites vous-même? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis, par exemple, professeur. Je suis mécanicien. J'ai, par exemple, un garage. Que ce soit un bon garage. Je suis commerçant. Je vends telle ou telle chose, telle ou telle sorte d'article. Il peut vous poser la question, quels sont les articles que vous vendez et comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à vendre? Ça passe quand même, juste pour vérifier si vous avez assez d'argent pour vous offrir un tel voyage. Quels sont les articles que vous vendez? Et vous prenez vos articles où? Est-ce que vous les concevez ici ou bien vous faites venir ça d'ailleurs? Oh, j'ai l'habitude de faire venir mes articles depuis Dubaï. Et puis la conversation reste un peu. Tu fais comme si tu parlais à quelqu'un de normal. Mais il faudrait que tu sois clair. Faudrait pas que chacun se dise, oh, c'est aussi extraordinaire. Non, ce sont des humains comme nous. Et ils veulent seulement que tu sois un peu clair. C'est-à-dire, lorsque vous remplissez vos documents en ligne, vous avez mis des informations. Mais lorsque vous venez, il vient seulement, il a son ordinateur, il vérifie les informations que vous avez mises en ligne, il vous pose des questions pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, si tu as dit que tu travaillais, il va te demander un peu ce que tu fais dans la vie et où tu travailles, par exemple. Il y a des gens qui mentent souvent. Oui, je travaille dans la société d'énergie et d'eau du Gabon, par exemple. Ah bon? Vous travaillez là-bas? Et qu'est-ce que vous faites? Je suis secrétaire. Ah bon? Il tape dans son ordinateur pour il vérifie. Il est rentré. Il est déjà rentré dans le site de la SCG. Il vérifie. Secrétaire de qui? Du DG. Il vérifie les noms. Après, il ne voit pas ton nom. Secrétaire du DG, de quel DG s'agit-il? Du nouveau DG ou bien de l'ancien DG? Oh, ça fait 2 ans que je travaille là-bas. Mais tu viens de dire que tu travailles. Donc, boum, mensonge. Parce que tu es censé lui dire, je travaillais, et lui dire ce que tu fais maintenant. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Ce ne sont pas des enfants qui vont vous interroger. Ce sont aussi des gens qui peuvent aller circuler dans vos réseaux sociaux, ils rentrent dans ton compte, ils voient un peu ce que tu publies. Après, dès qu'ils remarquent un élément, ils disent, je l'attends le jour de l'interview. Je ne refuse pas le visa, mais je vais seulement lui poser la question pour qu'il m'explique ce que je vois ici. Si tu as dit que tu es marié, par exemple, pour ceux qui font souvent les interviews d'événementerie et ils voient en couple, je suis marié, ma. Il va à l'interview avec une autre femme et sur les réseaux sociaux, il y a une autre femme qui est publiée. Donc, il va forcément te demander, mais je vois que il y a une autre femme ici, mais je vois une autre femme qui est devant moi. Boum. Donc, vos réseaux sociaux aussi, il faut savoir ce que vous publiez. C'est important. Alors, dès qu'il te pose ces petites questions-là, le relevé bancaire, tu donnes. Ne lui donnez pas tous les documents. Dès qu'il vous demande quelque chose, c'est toi qui prends la chemise, tu balances, tu lui donnes la chemise. Ce n'est pas à lui de fouiller. C'est pour ça que je vous ai dit de classer vos documents. Dès qu'il vous demande un document, toi-même tu sais comment tu as classé tes documents, tu sais où aller piocher. Je sais qu'avec le stress, les gens font souvent quoi? Dès qu'on lui demande un document, pendant qu'il est en train de vouloir prendre un document, tous les documents tombent. Et là, il panique. Pendant qu'il se met à ramasser, il est en train de réciter, de faire les prières. Et quand il va se relever là, désolé, hein, ça c'est le document. Reprenez votre passeport, vous aurez la possibilité de revenir, tenter votre chance. Donc, le peu de temps qu'on vous donne, saisissez-le et maximisez vos chances. Classez vos documents. Relevé bancaire, tu prends page de confirmation, tu montes.
c'est important de bien s'organiser. Le reste, je vous ai dit, vous pouvez utiliser toutes les agences que vous voulez, mais la prestation sur le terrain est très importante. C'est pour cela que vous-même, même si quelqu'un a rempli votre DS 160, même si c'est quelqu'un d'autre qui a rempli, demandez-lui de vous expliquer, demandez-lui de vous envoyer des captures d'écran quand il a rempli pour que vous-même vous vous imprégniez. Qu'est-ce qu'il a mis? Parce qu'il y a des moments, celui qui vous remplit le document, il peut mettre que tu es marié alors que toi tu ne l'es pas. Toi tu ne sais pas qu'il a mis que tu étais marié. Et lorsque tu te retrouves à l'ambassade, on dit est-ce que je peux avoir document pour le mariage? Mariage? Oui, mais je vois ici que vous êtes marié. Est-ce que vous-même, c'est vous qui avez rempli le document? Non, j'ai donné le document à mon... Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Celui qui, même si c'est une agence, même si c'est un particulier, dites-lui de vous envoyer les documents. Ou bien, si vous êtes à côté de lui, vérifiez qu'il a mis ce que vous représentez exactement, sans mensonge. Cela va vous aider. Donc, et une fois, et si tu arrives à le convaincre sur place, je vous assure, il n'y a rien de plus beau. Il y a une joie qui ressort lorsqu'on il vous dit, revenez, par exemple, à mon époque, c'était revenez le lendemain, récupérez votre passeport. Lorsque j'étais sorti de là, même lorsque je sortais, je ne savais pas que j'avais encore le visa. Je savais que je pouvais l'avoir, mais je me disais encore, peut-être qu'ils vont m'appeler pour me dire, monsieur Obian, on a fait une erreur, désolé. En fait, donc j'avais même dormi à moitié en me disant, ah, ça peut, j'attends le lendemain. Et lorsqu'on m'a remis finalement le document le lendemain, j'ai ouvert, j'ai vu le visa, j'ai dit, bon, les États-Unis dont j'ai entendu parler vont me voir. Et c'était important. Ne mentez pas. Le jour où je suis allé récupérer mon passeport avec le visa dessus, j'étais tombé sur une maman béninoise dont la fille avait reçu le refus de visa parce qu'elle s'était trompée d'année. Sa maman a une entreprise au Gabon et la fille s'était trompée d'année de création de l'entreprise. Elle avait sauté 2 années. Donc, une fois qu'il a vu ça, il a refusé. Et la maman elle-même l'a dit, ma fille a raté. Et pourtant, dans le compte, il y avait 20 millions de francs CFA. Mais elle a raté parce qu'elle s'était trompée la date de création de l'entreprise. Donc, les choses comme ça, sont importantes à connaître. Ne pas chercher à mentir et connaître ses propres informations. Connaître les dates exactes. Les gars-là ne blaguent pas avec. Ils ne blaguent pas avec. Et une fois qu'on vous remet le visa, je le redis encore ici, avoir le visa américain ne veut pas dire que tu vas rentrer aux États-Unis pour aller court, parce qu'on va aller à la partie où je vais lire les questions. Avoir le visa ne veut pas dire que tu vas rentrer aux États-Unis. Il y a une autre petite interview qui vous attend à l'aéroport des États-Unis lorsque vous allez rentrer. Dès que tu as ton visa, tu prends... disons ton billet d'avion, ou si tu l'avais déjà réservé avant, tant mieux. Dès que tu voyages, tu te prépares. Un conseil, ne demandez jamais à quelqu'un de vous faire le sac, de faire votre sac. Ne demandez jamais à quelqu'un de faire votre sac, peu importe là où vous allez. Faites votre sac vous-même. Si les gens apportent des colis, moi je me rappelle, vous connaissez les Africains, Je devais voyager, chacun venait avec son colis. Ou tu vas aux États-Unis, tu vas aller donner ceci à la tante qui est à New York, tu vas aller donner ceci à la tante qui est à Missouri. Et tout de suite, moi j'étais tellement concentré, j'étais tellement en joie que j'avais donné mon sac à une de mes tantes qui sait très bien plier les bagages. Je lui ai dit, bon, remplis tout. Je n'avais pas fait attention à ce qui était, à ce qu'on mettait, ce que les parents apportaient comme nourriture. Parce que eux, venir aux États-Unis, c'est comme si tu allais à la porte d'à côté. Donc, c'est quand j'arrive à l'aéroport. Petite interview. On te pose des questions. Qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis? La même question qu'on vous a posée à l'ambassade. Oh, je viens rendre visite à mon oncle et tout et tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis professeur, je suis ceci, cela. Après, il me demande, tu enseignes quel genre de classe?
J'ai dit, j'enseigne les troisièmes et les terminales. Il dit, OK. Et pendant que je parle, il est en train de vérifier, il est rentré dans mon compte qui est à l'ambassade des États-Unis au Gabon. Il est rentré dans mon fichier, le fichier que j'avais rempli en ligne. Donc, si tu donnes des réponses qui sont différentes des réponses que tu as mises en ligne, il va trouver ça un peu suspect. Imaginez qu'en ligne, tu as dit que tu allais à New York et que tu te retrouves à l'aéroport de Californie. Tu es en Californie. Mais tu as dit que tu devais aller à New York, que ton parrain est à New York. Mais toi, tu te retrouves ici en Californie par rapport à quoi? Donc, il commence à trouver ça suspect. Si en remplissant le document, vous avez mis l'adresse de quelqu'un et qu'après la personne vous a dit « Oh non, ma femme a refusé, ma femme ne veut pas que tu viennes chez moi. » Gardez d'abord cette adresse que vous avez mise en ligne. C'est la même adresse que vous allez donner à l'aéroport. N'apportez pas une nouvelle adresse à l'aéroport parce que ça va, même moi, si c'est moi qui vous interroge, je vais vous recaler, je vais vous bloquer. En ligne, j'ai une adresse et toi, tu m'apportes une autre adresse. Je vais me dire que tu as menti à ceux qui sont à l'ambassade. Donc, gardez la même adresse, même si l'adresse a changé. Comme ça, une fois que vous rentrez, vous utilisez votre nouvelle adresse. Donc, c'est important. Une fois, ne paniquez pas, il y a rien de sorcier. Ce sont des petites questions. Si tu sais que tu ne parles pas encore anglais, viens trafiquer. Et même eux-mêmes, ils arrivent à faire des efforts, où ils peuvent appeler un interprète pour parler avec toi. Si réellement tu ne comprends rien de rien, ils peuvent appeler un interprète parce qu'ils ne vont pas te refouler, ils ne vont pas aussi te laisser rentrer sans avoir écouté ce que tu as à dire. Donc c'est important. Par exemple, passeport, tu remets le passeport avec le billet et ils vont regarder. Après, ils vont scanner le passeport. Ils vont scanner le passeport. J'insiste là-dessus. Ceux qui viennent vous remettre les passeports sans que vous ne passiez à l'ambassade, passez vos interviews, c'est très dangereux. N'achetez pas des visas. On n'achète pas un visa. Il y a certains qui viennent souvent me dire, « Oh, j'ai rencontré une agence qui m'a dit, qui m'a proposé un visa de 5 ans. » C'est l'agence qui donne des visas. Sauf si quelqu'un a un pivot, je ne sais pas. Mais aucune agence ne donne des visas. Les visas s'obtiennent à l'ambassade. Vous allez avec votre passeport, vous passez l'interview, on vous met un visa dessus. On rejette les gens. Lorsque vous arrivez à l'ambassade et qu'on trouve que le visa que vous avez est un faux visa, on va vous renvoyer chez vous. Imaginez, vous avez déjà dit au revoir aux parents, vous avez déjà vendu tout ce que vous aviez, vous saviez que vous veniez aux États-Unis. Lorsqu'on vous renvoie, par exemple, vos parents savent que vous êtes déjà aux États-Unis, ils attendent seulement le coup de fil. Après, on vous revoit le lendemain avec les babouches. C'est la pire des hontes. Donc, il faut n'acheter pas les visas. Tu es au village, on vient te dire, bon, voilà ton visa, voilà ton passeport. Comment? Ils le font, ils scannent à l'aéroport parce qu'ils savent qu'il y a des faux visas. Il y a cela 2 ans, on a attrapé un au Gabon qui fabriquait des faux visas américains. Donc, quand tu arrives, ils savent, ils connaissent les traits du vrai visa. Ils savent quel visa est sorti de leur ambassade. Donc, lorsqu'ils mettent ça sur la machine, ça détecte que c'est un faux. Après, on vous amène dans une petite salle. Est-ce que vous vous êtes déjà fait interroger par les agents du FBI? Ça fait paniquer, hein? Les choses que vous voyez à la télé, on vous pose les mêmes questions pendant 2 heures. Tu as dit que tu vas où? Tu donnes une réponse. Quelqu'un d'autre va encore arriver. Tu as dit que tu allais où? Tu donnes une réponse. Et l'autre va encore arriver. Vous disiez que vous alliez où? Je vais. Tu donnes encore une réponse. Après, on compare si tu es réellement cohérent. Je me rappelle, la dernière fois, on avait attrapé un gars. On avait su qu'il avait quelques substances interdites. Lorsqu'il était allé passer 2 jours en Jamaïque, lorsqu'il revient, on l'interroge, vous sortez d'où? Oh, je suis allé à l'anniversaire de ma fille. Ah bon? Vous vivez toujours avec sa mère? Oh oui, je suis allé dormir. Vous avez dormi chez eux? Oui. OK. Et donc, vous avez payé le billet d'avion rien que pour aller passer l'anniversaire de 2 jours. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et comme eux, ils ont déjà des tics, ils savent que la Jamaïque fabrique quelques substances
illicite, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, je sors de la Colombie, on va forcément vous fouiller. Donc, ils ont déjà ces tics-là. Donc, on a pris le gars. Quelqu'un d'autre est encore venu nous poser la question, vous étiez où? Vous êtes sûr que vous avez dormi chez... Non, c'est ma cousine, j'ai dormi chez ma cousine. Alors qu'il a d'abord dit qu'il a dormi chez la femme de la mère de sa fille. Après, on est allé appeler la mère de la fille. Est-ce que vous connaissez un certain tel? Oui, je le connais. Il est qui pour vous? C'est le père de ma fille. Quelle est la dernière fois que vous l'avez vu? Oh, ça fait des années, hein? Est-ce qu'il était à l'anniversaire de votre fille? Oh non. Boum. C'était le drapeau rouge. On a pris le gars, on l'a emmené dans une bonne salle. On l'a bien interrogé. Donc, il avait des trucs, il avait avalé des trucs dans le ventre pour traverser avec. Je n'ai pas envie de prononcer les fameux mots en question par rapport à la chaîne, mais on l'avait emmené dans une petite salle et il a expulsé tout ce qu'il avait avalé. Donc, c'est un peu ça. Soyez cohérents, pas besoin de mentir. Et une fois que vous rentrez aux États-Unis, c'est là où vous pouvez respirer. Et lorsque vous rentrez, vérifiez aussi le temps qu'on vous a donné. Parce que celui qui vous a interrogé à l'aéroport va décider de combien de temps vous êtes censé passer aux États-Unis. Parfois, il décide que c'est 2 semaines. Si vous êtes venu à une conférence, il va se dire, bon, je te donne 2 semaines, après tu dois repartir. Ou encore, il te dit, je te donne 6 mois. Si tu as tes 6 mois tranquillement, mais tu ne dois pas aller au-delà de 6 mois. Chaque touriste est censé passer au maximum 6 mois et puis retourner. Et lorsqu'on vous donne un visa de 5 ans, cela ne veut pas dire que vous allez rester 5 ans aux États-Unis, mais c'est juste que vous pouvez partir dans votre pays, vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais lire des commentaires, je vais voir un peu des questions si vous en avez pour voir comment je vais éclaircir. S'il y a quelques parties dont je n'ai pas fait mention ou bien quelques parties que vous n'avez pas bien comprises, je vais regarder ce que vous avez à me proposer. Je vois qu'il y a des gens qui ont écrit. C'est vrai qu'ils écoutaient aussi. Syriac depuis le Togo, Anastasie est toujours là. Comment faire pour avoir la chance de la dévotée? J'ai déjà expliqué ça. OK. Bonjour Tierno. Ayao, j'espère que tu vas bien. Donc, si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez commencer à les saisir. Comme ça, on va essayer de... Moi, je veux les gens qui ont des préoccupations. Hein. Je veux que tout soit clair. Lorsqu'on va partir d'ici, je sais qu'on a fini avec le visa touriste. Les gens ont déjà compris. Parce que si vous ne posez pas de questions, c'est que j'ai été clair. Moi, je ne peux pas être parfait. Il y a forcément des trucs dont je n'ai pas fait mention. Interview, visa pour les couples, pour les vacances aux États-Unis. Comment ça va se passer si vous êtes en couple? Bon, on va d'abord savoir, on va vous poser la question par rapport à votre couple. Premièrement, par rapport à l'objectif, vous allez où exactement? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Par exemple, on prend le mari, qu'est-ce que vous faites? On prend la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Si les deux travaillent, c'est un avantage déjà. Ça veut dire que le côté financier est déjà garni. Il y a les deux finances qui sont là, vous pouvez faire des projets. Maintenant, on peut aussi vérifier, vous êtes marié où? Juste pour voir si réellement vous êtes marié. Quelqu'un ne cherche pas à faire traverser l'autre. Donc, on peut vérifier comment s'appellent les parents de votre mari. Ça, c'est, il pourrait arriver qu'on ne vous pose pas ce genre de questions, mais la plupart du temps, lorsqu'un couple passe à l'interview, on veut vérifier que le couple est réellement un couple, que ce n'est pas le frère et la sœur. Parce qu'il y a des gens qui arrivent même à épouser leur frère juste pour traverser l'eau. On va vous poser la question sur vos enfants. Vous avez combien d'enfants? Pendant ce temps, si on pose la question à la dame, pendant ce temps, on regarde l'homme. Hein?
On veut voir s'il va donner la même réponse, par exemple, pour voir si toi, tu ne mens pas. Mais si les deux travaillent, no problem, c'est pas trop un souci. Lorsque vous avez des finances et que vous savez là où vous partez, très bien. Et concernant ceux à qui on a déjà refusé le visa une fois, lorsqu'on vous refuse le visa sous la section 214B, la section 214B prouve que, explique que vous n'avez pas convaincu celui qui vous a interrogé. Vous reconnaissez un peu le papier qu'on vous remet lorsqu'on vous refuse le visa. On vous remet ce papier-là. Et beaucoup, tellement énervés, ne lisent pas. Et certains me disent aussi, mais général, on arrive même à lire, mais on ne comprend pas exactement ce qu'on nous a reproché. Qu'est-ce qu'on nous a reproché? Parce que c'est un peu ambigu. J'ai regardé pour le Canada. Le Canada est un peu plus explicite. La France, c'est très explicite. On te dit ce pourquoi on t'a refusé le visa. Mais pour les États-Unis, c'est boup, boup. Vous nous avez pas convaincus que vous allez revenir dans votre pays. C'est un peu. Mais c'est à toi aussi d'être honnête avec toi-même. La toute première chose, lorsqu'on vous refuse le visa, revoyez un peu la façon dont vous avez rempli votre document en ligne. Revoyez un peu les questions qu'on vous a posées et les réponses que vous avez données. Moi, j'ai l'habitude de prendre souvent en coaching ceux à qui on a refusé le visa. Et lorsqu'ils arrivent, généralement, je ne sais pas pourquoi on m'a refusé le visa. Je dis, mais comment ça? Et pourtant, j'ai bien répondu aux questions. Pourtant, j'avais tous les documents. Et pourtant, j'avais rempli le document en ligne. Donc, la personne vient seulement t'expliquer, t'exposer son problème de manière non claire. Comment veux-tu que je t'aide? Dis-moi, est-ce que tu te rappelles les questions qu'on t'a posées? Il m'a seulement posé deux ou trois questions. Non, dis-moi les questions. Parce que lorsque tu vas me donner des questions, cela me permettra de connaître l'intention des questions. Quelles sont les réponses que tu as données? Comment as-tu répondu? La façon dont tu réponds aussi peut faire en sorte qu'on te refuse le visa ou qu'on te l'accorde. Si tu as mal répondu, c'est toi-même. Comment tu t'es comporté le jour de l'interview? Est-ce que tu tremblais? Est-ce que tu faisais des trucs? Parce que ceux à qui on refuse le visa ne viennent jamais expliquer comment ils se sont comportés le jour du refus. Mais comme ça n'a pas marché, parfois, vous dites que l'agence que vous êtes allé utiliser, parfois, vous dites que c'est l'agence qui ne vous a pas. Non, l'agence, moi, c'est vrai que je n'aime pas trop les agences, mais je ne peux pas aussi leur attribuer le tort. L'agence fait d'abord son travail à son niveau. Toi aussi, tu dois faire ton travail, c'est de bien t'entraîner. Et lorsqu'on vous refuse le visa, avant de repartir à l'interview, rassure-toi que ce pourquoi on a refusé le visa, tu l'as déjà amélioré. Si on t'a refusé le visa parce que tu n'avais pas des liens forts au pays, avant de repartir demander un nouveau visa, rassure-toi que tu as les liens forts. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un boulot convenable? Si on t'a refusé le visa à cause des finances, regarde un peu les finances. Beaucoup d'étudiants, on leur refuse le visa à cause des finances. Mais ils ne viennent pas dire cela. C'est quand je leur dis, mais combien tu avais dans ton compte? Ils me donnent la somme exacte, la somme qui permettait seulement de payer sa scolarité. Je dis, mais si tu as seulement la somme exacte pour payer ta scolarité, tu devais vivre avec quoi? Donc, lorsque tu as la somme exacte, ils vont se dire, bon. Pour vivre, peut-être que tu vas aller travailler de manière illégale. Donc, ils vont te refuser le visa. Rassure-toi que tu as un peu d'argent. Après l'argent que tu auras pour ta scolarité, il faudrait que tu aies de l'argent pour te nourrir. C'est très, très important. Avant de repartir à l'interview, rassure-toi que tu as déjà amélioré ton dossier. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous revenez à l'interview, même si tu ne tombes pas sur celui qui t'a d'abord interrogé, si c'est une nouvelle personne, la personne va d'abord rentrer dans ton compte, va d'abord rentrer dans le compte que tu avais avant. Quand on t'a refusé le visa, la personne va d'abord aller là-bas et vérifier ce pourquoi on t'a refusé le visa. Après, l'officier va te demander, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau? Cédric Mihindou depuis l'Embaréné, moyen. J'espère que tu vas bien, mon frère. Est-ce que votre dossier
a progressé? Est-ce que votre dossier a un élément nouveau qu'on ne connaisse pas? Parce que l'ancien dossier est encore avec nous. On connaît les éléments que vous avez mis dans l'ancien dossier. Maintenant, lorsque vous revenez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que si c'était pour les finances, est-ce que vous avez déjà de meilleures finances? Si c'était pour le lien, est-ce que vous avez déjà de bons liens? Si c'était pour l'objectif, on ne sait pas exactement là où vous allez, si vous allez errer ici. Il faudrait qu'il sache. Peut-être la toute première fois, il y a un des alligators qui a raté le visa. Je suis sûr qu'il est, je sais pas, il est certainement aussi en ligne. Il a raté le visa tout simplement parce que son dossier, celui qui lui a rempli le document, a été un peu confus dans son remplissage. Il lui a envoyé une lettre d'invitation et il a aussi, en même temps, réservé une chambre d'hôtel. Donc, c'est quand il est venu me voir, je lui ai dit, mais comment tu peux, quelqu'un t'envoie une lettre d'invitation et il te loue encore une chambre d'hôtel. Donc, celui qui t'invite va encore aller te loger à l'hôtel. Et lorsque l'officier a regardé tout cela, il a trouvé que c'était pas courant, il y avait un truc louche. Tu dis que tu connais quelqu'un aux États-Unis qui t'a invité, tu vas aller chez lui et tu peux aussi mentionner que tu as la lettre d'invitation. Tu as la confirmation d'hôtel. Et lorsqu'il a revu son document qu'il a rempli en ligne, il s'est rendu compte que celui qui a rempli a fait beaucoup d'erreurs que lui-même n'aurait pas pu faire. Donc, c'est important d'être honnête avec soi-même. Toi-même, tu peux revoir étape par étape avant de repartir. Mais Hindou, comment tu vas? Sevisoji, je suis sur le sol américain avec un visa visiteur. Comment faire pour avoir le permis de travail? Bon, c'est vrai qu'on était plus sur les Africains, mais ça ne coûte rien de répondre à quelqu'un qui est déjà ici. Le visa, tu es visiteur. Hein, mon frère? Tu es visiteur. C'est-à-dire, tu n'es pas censé même travailler. Je dis bien officiellement, tu n'es pas censé travailler. Parce que tu es venu visiter et tu es censé repartir. Comment avoir un permis de travail? Le permis de travail ne s'obtient que si, par exemple, tu te maries, si tu tombes sur ta muse, tu tombes sur ta bien-aimée, quelqu'un que tu aimes et qui est américaine. Par exemple, si tu tombes sur une bonne américaine qui t'aime bien et que tu aimes, la personne peut faire en sorte que tu obtiennes ta carte verte et avant cela, tu vas obtenir ton numéro de sécurité sociale et ton permis de travail. Mais on n'obtient pas le permis de travail sans lien. Il y a des gens qui sont venus ici en tant que touristes, qui sont restés 30 ans, et ils n'ont toujours pas de permis de travail. Ils n'ont toujours pas de papier. Même si, de manière officieuse, les personnes se battent par-ci, par-là. Donc, le tout n'est pas d'arriver aux États-Unis. C'est pour cela que j'essaye de communiquer. Le tout n'est pas d'arriver aux États-Unis. Mais lorsque tu viens, il faut savoir, il faut connaître beaucoup de choses. L'information est très, très importante. Où vais-je? Comment ça se passe là-bas par rapport à ma situation? Ceux qui sont dans ma situation, comment se comportent-ils là-bas? Avant de venir dire que ton cas est différent, mais tu dois d'abord voir ce qui est arrivé aux autres. Donc, si tu te maries, mon type, si tu te maries, tu trouves quelqu'un que tu aimes bien, c'est tant mieux. Aussi, il y a des gens qui font aussi les demandes d'asile, mais à condition que tu arrives à prouver que dans ton pays, il y a un problème, que ta vie est en danger, que ta vie est en péril, quoi. Boubacar Silla, j'espère que tu vas bien. Bonjour, j'ai passé mon premier interview. Ouais, je n'ai pas pu avoir le visa. Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme j'ai expliqué. Lorsque vous êtes allé pour la première fois, avant d'aller pour la deuxième fois, rassurez-vous de connaître ce qui a fait en sorte que vous ratiez le visa pour la première fois. Quelle a été la raison? Relisez le document qu'on vous a remis à tête reposée. Et vous-même, essayez de voir comment vous avez répondu aux questions, comment vous vous êtes comporté. Juste pour voir s'il y a un truc qui va attirer votre attention
où vous allez vous dire, ah, quand même, à ce niveau-là, ça n'a pas trop collé. Ne vous dites pas que ceux qui vous refusent le visa ont vraiment voulu vous refuser le visa. Non, quand c'est aussi clair, ils vous donnent le visa. Même si, je sais que dans certains pays, on dit souvent, oh, au Sénégal, on ne donne plus les visas. Parce que ils ont remarqué qu'on refuse trop de visas aux gens. Mais allez-y aussi vérifier que chacun ne te dit pas que ça, si ça n'a pas marché pour tout le monde, ça ne va pas marcher pour toi. C'est Amouzou. Je voulais vous demander que j'ai un visa pour la conférence. Que fait pour une semaine? Fait une semaine et que j'ai envie. Je vais à la conférence et qu'après la conférence, je reste. Comment faire pour avoir. Ah non. Vous êtes venu à une conférence et vous voulez rester comme vous le dites. Bon, premièrement, ce n'est pas. Honnêtement, hein, ce n'est pas. Ne le dites pas surtout dans les lives. Ça va vous embêter. Vous ne savez pas qui observe. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'agents d'immigration qui me regardent. Donc, ce n'est pas bien si on remarque et on rentre dans votre compte, on dit, ah, voilà, celui qui est rentré. Mais c'est mieux, peut-être si vous avez un conseil en inbox. Mais je sais que on n'obtient pas la carte verte comme ça. On n'obtient pas la carte verte parce qu'on a mis du temps aux États-Unis. Il faudrait qu'il y ait un lien. Il faudrait que, soit c'est par mariage, soit c'est par asile, soit c'est par. J'avais aussi expliqué un autre processus, un autre procédé qui était, par exemple, si vous vous faites agresser, ou bien si vous avez assisté, par exemple, à un braquage et que vous avez aidé la police en lui donnant des informations importantes, vous pouvez demander les papiers parce que vous avez été utile à la nation. Si vous-même vous subissez une agression et que vous avez la preuve que la police est arrivée, la police a fait un rapport. Cherchez un avocat, expliquez, allez-y avec les preuves. Moi, récemment, là, j'ai reçu un alligator qui m'a fait comprendre qu'on l'a agressé et on a volé sa voiture. Et heureusement, la police a pu retrouver sa voiture. Et il a le rapport de la police. Il a les photos de comment, dans quel état il était. J'ai dit, allez, cherchez un avocat. Il y a un visa pour cela. Mais n'allez pas aussi vous faire agresser pour rien. Quelqu'un va se donner des coups de poing. Gifle-moi à gauche, gifle-moi à droite. Non. De toute façon, il y a toujours des enquêtes lorsque vous demandez un tel visa. Demain, je ferai l'interview. Comment faire? What? Indias. C'est l'interview pour visa visiteur. Je suis sûr que tu as été là au début. Il suffit seulement que tu restes concentré. Il faudrait que tu t'exerces. Exerce-toi. Regarde un peu les vidéos. Et puis, le truc, c'est quoi? Mets-toi à la place de celui qui va t'interroger. Lorsque toi-même tu parles chez toi, est-ce que tu te trouves convaincant? Par exemple, lorsque toi-même tu donnes tes réponses, est-ce que tu te trouves convaincant? Est-ce que je pourrais convaincre celui qui est en face? Si je lui dis, je vais aux États-Unis. Il sait déjà que tu vas aux États-Unis. Mais s'il te pose la question, il veut que tu sois un peu plus clair. Dans quel état, dans quelle ville, pour y faire quoi? Et pour combien de temps? Oh, je vais à une conférence. La conférence se passe où? La conférence se passe en Floride, précisément à Tampa. La conférence, c'est quoi l'adresse? Vous donnez l'adresse. La conférence se tiendra en combien de jours? La conférence se tiendra en 5 jours. OK. Et après la conférence, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, comme ce sont les États-Unis, j'aime bien le pays aussi. Je vais un peu visiter. Je vais encore me reposer 2 semaines en visitant quelques petits lieux. Boum. Vous avez été très clair. Vous avez mentionné cela. Pour que lorsque vous allez revenir à l'aéroport, on va aussi vous poser pratiquement les mêmes questions et vous allez donner les mêmes réponses. Là, vous avez dit qu'après la conférence, vous allez faire un peu du tourisme. Quelqu'un ne peut pas venir aux États-Unis aussi rien que pour la conférence et repartir. Il va au moins visiter quelques petits trucs. Donc, tu dois connaître le lieu de la conférence, pour combien de temps, qui vous invite, est-ce que vous avez une invitation?
pour cette conférence-là. On ne va pas à une conférence parce qu'on veut partir. Et lorsqu'il va vous interroger, il va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous-même vous faites dans la vie. La conférence porte sur quoi? C'est sur quel genre de thème? Il veut se rassurer que le thème de la conférence a quelque chose à voir avec votre formation et que vous voulez venir améliorer vos connaissances. Donc, c'est un peu cela. Je reviens. Est-ce que je peux avoir votre numéro pour les questions, s'il vous plaît, ou comment je peux connaître les jours que fait l'élève? Oh, bon. Je ne sais pas, mais tu es abonné sur TikTok. Je vais toujours faire des annonces. On va commencer à faire nos lives concernant les visas, les différents visas ici. Abonnez-vous déjà pour ceux qui arrivent pour la première fois. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je suis en live ou que je poste une vidéo, ça va vous signaler que je suis déjà là. Et je retiens beaucoup de noms de ceux qui motivent la plateforme. Lorsque je sais que vous êtes quelqu'un qui motive la plateforme, vous partagez, vous likez, peu importe les vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, cela, lorsque je vois votre préoccupation, lorsque vous m'écrivez en inbox, je ne vais pas hésiter, je vais forcément venir lire ce que vous avez écrit. Parce que je sais donner à celui qui m'a donné. Vous motivez la plateforme, je serai là pour vous. Mais ceux qui ne motivent pas la plateforme sont ceux-là qui viennent poser la question aujourd'hui. Dès qu'ils trouvent satisfaction, ils disparaissent. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi aux États-Unis grâce à nos vidéos, en regardant rien que nos vidéos, sans aller ailleurs, sans utiliser une agence. Mais ces personnes sont arrivées, sont rentrées dans mon inbox pour me dire, c'est grâce à vous que j'ai reçu le visa, mais après, portée disparue. Alors que moi, ce que j'attends de ces personnes-là, c'est que ces personnes viennent m'aider à mieux éclairer nos frères. Comment tu as passé ton interview? Peut-être un jour, tu montes dans un live, tu expliques aussi ce que tu as découvert quand tu es arrivé aux États-Unis, partager aussi ton expérience. Donc, c'est un peu ça. Je sais que beaucoup, par rapport au fait qu'on refuse, on ne sait pas, l'Africain, on se dit, bon, il y a la sorcellerie, je ne peux pas montrer mon visage, je n'ai pas envie de montrer que je suis déjà aux États-Unis. Ça, je comprends. Mais dans un live, même par audio, tu essayes d'aider les autres. Tu essayes d'aider les autres. De la même manière, tu t'es inspiré des vidéos que j'ai mises en ligne. On a aussi besoin de ton expérience lorsque tu arrives. Comment se portent les États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont comme à la télé? Et c'est encore plus touchant lorsque ça vient de ta bouche. On va dire, oh, celui-là, il était de l'autre côté hier. Et il est déjà là-bas. Et il arrive déjà à nous donner ses premières impressions. C'est touchant, quoi. Donc, pour ceux qui vont arriver ici, préparez-vous. Soyez forts mentalement. Rien n'est impossible. Surtout pour nous qui avons déjà vu toutes sortes de problèmes lorsqu'on est en Afrique. On a vu toutes sortes de problèmes et on est resté fort. Donc, je me dis que celui qui est resté fort en Afrique, lorsqu'il arrive ici, aucun problème ne pourra le dépasser s'il est concentré. Soyez vraiment fort. Il n'y a rien. C'est pour les hommes. C'est pour cela que j'ai créé la mentalité alligator. Je suis passé par les mêmes soucis, les mêmes problèmes. J'ai failli abandonner, mais après, la mentalité alligator est née. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive déjà à vous expliquer. J'ai partagé mon histoire. Je ne suis pas encore arrivé au bout, mais je viens de démarrer. Moi aussi, j'ai lancé mon processus pour que j'arrive aussi à voir le soleil. Je ne suis pas encore parfait, mais je n'ai pas peur des problèmes. Les problèmes vont arriver, mais celui qui sait comment se relever n'a pas peur de tomber. Voilà, Boubacar, mon type, en tout cas, merci pour ton soutien, pour les partages. Les abonnés, sinon les fans de la plateforme Mentalité Alligator sont ceux-là qui n'attendent pas d'abord qu'on parle de leur sujet. C'est-à-dire, il sait très bien qu'il a joué, il n'a joué qu'à la développerie. Mais lorsqu'on parle de visa touriste, il est là, il partage, il like, parce qu'il veut apprendre, parce qu'il s'est dit, à travers celui-ci, j'ai appris, je vais motiver sa plateforme. Chez les autres, on donne de l'argent, mais je ne vous ai jamais demandé de l'argent pour motiver la plateforme.
Mais au moins, that's the only thing I can ask. You like, you share, and you comment. That's easy. Merci. Oui, je sais, au Sénégal, quand même, il y a beaucoup d'alligators. Le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, n'en parlons même plus. Le Cameroun, n'en parlons même plus. Les deux Congo, ça, c'est un flop. Le Bénin, oui, le Bénin est très représenté. Il y a encore quel pays qui est énormément représenté. Je sais qu'il y a des Haïtiens, il y a Haïti qui est représenté. J'ai oublié qui. Le Cameroun, il y a la Guinée équatoriale également, j'ai déjà reçu beaucoup de gens de la Guinée équatoriale, il y a le Gabon, je ne peux pas oublier, les Gabonais sont connectés. Il y a le Niger, oui, le Tchad également, le Togo, Burkina Faso, oui, oh, j'ai failli oublier le Burkina. Le Burkina est beaucoup représenté, le Mali également, oui, beaucoup de Maliens. Comment je peux t'envoyer mon papier de refus pour interview, pour voir? Oui, regarde, Boubacar, lorsque tu rentres sur TikTok, et sur mon compte, il y a mon site. Disons, comment on appelle ça? Il y a sur mon compte là, sur le profil. Vous rentrez dans le lien. Il y a un lien qui va vous conduire à mon site. Il y a mon numéro à l'intérieur. Et lorsque vous prenez mon numéro, ça je le dis pour ceux qui ont pris mon numéro avant, lorsque vous rentrez dans mon WhatsApp, ne m'appelez pas directement. On envoie d'abord le message, on se présente. Je suis tel, tel, tel. J'ai pris mon numéro, tata, ou bien vous m'avez donné votre numéro. Mais là, il y a des gens qui arrivent, je ne sais pas qui. Moi, je ne décroche pas les appels quand je ne sais pas qui c'est. Même ici, je ne le fais pas. Boum, ils m'appellent directement. Ils insistent. Envoie d'abord le message pour te rassurer que la personne est disponible. Peut-être que je suis en réunion. Peut-être que je suis en train de dormir. Peut-être que je suis au boulot. Il faut d'abord que tu saches. Si je réponds directement, j'ai toujours répondu. C'est-à-dire, même si j'étais en train de dormir, lorsque je vais me réveiller, je vais forcément lire ton message et te dire, bon, voilà, 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 voilà. Maintenant, ceux qui auront des besoins de consultation privée, c'est-à-dire si ton cas nécessite une consultation privée, c'est là où c'est la seule chose où je demande l'argent parce que c'est mon temps. C'est « that's my time ». Beaucoup de gens viennent souvent en consultation, on se parle comme ça par vidéo. Moi, je ne fais pas des consultations où tu as l'impression de parler à un robot, ça se fait par audio ou bien non. Mes consultations, je t'appelle. Je te demande le temps où tu es libre. Tu es libre à quel moment? À partir de 7 heures, je t'appelle et on se parle. Tu me regardes, je te regarde. Je fais comme si je t'interviewais. Je te pose des questions pour mieux cerner ton dossier avant de me permettre de te donner mon point de vue. Je vais d'abord me rassurer que je te connais. Donc, Blanchard. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Merci à tous ceux qui ont été disponibles aujourd'hui, qui ont liké. Cela prouve que vous portez de l'intérêt à ce que nous faisons. Et je vous assure, il y a aussi d'autres influenceurs qui sont sur TikTok qui sont merveilleux. J'ai assisté à un live hier, un live impeccable. Moi, j'étais même au boulot. Mais je regardais ce live-là où c'était des Africains, des Ivoiriens. Je pense que c'est un Ivoirien qui gère le compte. Et beaucoup de gars qui sont arrivés ici partageaient leurs expériences, comment trouver du boulot. Essayez d'assister aussi à ce genre de live. C'est important. Voir un peu comment ça se passe chez les autres. Comment trouver du boulot. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Quel genre de boulot on trouve? C'est important. On a besoin de ces expériences. Et c'est pour ça que je dis aux alligators qui sont déjà là. Lorsque vous arrivez ici et qu'il y a un live, venez partager vos expériences. Ceux qui sont en Afrique ont besoin de ça avant de venir ici. Ils veulent avoir des informations importantes. Moi, je ne peux pas tout connaître. Mais si je suis soutenu par d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines, ça va faire un boom. Ça va plus éclairer nos frères africains. Et c'est ça l'objectif. On ne veut voir personne souffrir ici. Nous, on a subi, notre peau a saigné. Mais on s'est dit qu'on peut se battre pour les autres.
Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas abordée? Donc, ça veut dire que sur le visa touriste, il n'y a plus de questions et que tout le monde sait déjà ce qu'il est censé faire. N'oubliez pas, entraînez-vous. N'oubliez pas, ne mentez pas. N'oubliez pas, ne mettez pas un faux document. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur pourquoi les agents de l'immigration ne demandent-ils pas les documents? J'avais eu cette information à travers un agent de l'immigration qui nous avait, mais c'était un ancien agent de l'immigration qui joue déjà, qui lui aussi l'a ouvert son agence pour aider les autres à obtenir les visas. Donc il nous avait dit, si on ne regarde pas les documents, c'est parce qu'on sait que dans plusieurs pays, la plupart des documents sont déjà faux. Donc parfois, on se focalise sur ce que tu as à dire sur le terrain, face à face. On te regarde, tu nous regardes, on te pose des questions. Si on trouve que tu arrives à nous convaincre, on te donne le visa. Mais non, si tu n'es pas convaincant, il y a des gens qui sont plus convaincants sur les documents qu'à travers la parole. Dès que tu lui dis, bon, tu vas où? Il prend le document. Regardez l'adresse où je vais. Parfois, si l'adresse est longue, je peux comprendre. Peut-être que tu ne parles pas bien anglais, tu ne peux pas bien prononcer les rues et autres. Mais ce sont des choses que tu devrais déjà savoir. Si tu as choisi, c'est aussi une astuce. Si vous choisissez une ville, si vous dites que vous allez par exemple à New York, quels sont les endroits touristiques de New York? Parce qu'on pourrait vous demander, mais tu vas à New York, tu vas visiter quoi? Ou bien tu vas rester dans la maison? Tu peux lui dire, oh, je pars visiter la statue, je pars visiter tel ou tel endroit. Tu lui dis, toi-même, tu as ton téléphone, essaye de taper les endroits touristiques de New York pour que tu aies ça en tête. Ou bien tu as ça sur un papier, tu commences à réviser. Voilà les trucs qui montrent que tu sais ce que tu fais, tu sais là où tu vas. Il en est de même pour les étudiants. Tu as choisi une école qui est dans une ville. Essaye de connaître quelque chose concernant cette ville-là. Cette ville est réputée pour quoi? Pourquoi tu as choisi cette école au détriment des autres? Pourquoi c'est cette école que tu as choisie? Est-ce qu'elle forme mieux les gens qui sont dans ton domaine? Donc c'est un peu cela. Est-ce que la formation que tu vas recevoir, est-ce que cette formation-là te sera utile pour mieux développer ton pays? L'information est importante. Moi, je sais que quand j'ai besoin des informations, je paye même. Il y a des gens à qui aussi, je pars, il y a des avocats que je consulte. Et quand la consultation, parfois, c'est 150 dollars. C'est toi qui as besoin de l'information. Il te consulte, il te dit, bon, c'est quoi ton souci? Oh, je veux avoir des informations par rapport à tel ou tel domaine. Tu as déjà payé, il t'explique. C'est pour ma propre formation. Quand je sors de là, je sors grandi parce que j'ai appris, même si j'ai payé. Ce que j'ai payé n'a rien à voir avec la connaissance. Quand tu as la bonne information, tu fais moins de bêtises. Quand tu as la bonne information, tu arrives à mieux tracer tes objectifs. Il y a des gens que lorsqu'ils arrivent ici, ils pensent que ils n'ont pas de niveau pour s'en sortir. Alors que tu peux peut-être avoir des problèmes dans ton état. Mais peut-être dans un autre état, si tu pars là-bas, tu vas éclore. Mais tu as besoin de la bonne information. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te connecter, qui va te dire, mais la formation que tu fais là-bas, ou bien le domaine dans lequel tu es, c'est un domaine qui paye ici. L'information. Donc, les amis, s'il n'y a plus... Bon, c'est sûr qu'il y a encore des questions. J'ai appris beaucoup de choses hier. C'est vrai, je vous assure, essayez de bien regarder les vidéos que les autres postent, que ce soit mes vidéos, que ce soit les vidéos des autres. Chaque personne prend sa caméra pour mettre des trucs qui vont vous embêter. C'est vrai que les expériences sont différentes. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez ces vidéos avec beaucoup de recul. Dès que tu regardes la vidéo, tu prends l'information qui te concerne. Est-ce que cette information cadre bien avec ta vie? Est-ce que cette information cadre bien avec ton dossier? Est-ce que je peux mettre cette réponse-là dans mon dossier? Est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est ça aussi mon objectif?
Une question, si on te refuse le visa, tu as combien de temps pour faire un autre rendez-vous? Parce qu'il y a des gens qui... Oui, il y a des gens à qui même... oui, c'est possible. Au Gabon, par exemple, il y a des gens à qui on dit, lorsqu'on te refuse le visa, on dit, revenez dans 6 mois. Et lorsqu'on te donne 6 mois là, ce n'est pas que tu vas revenir avec le même dossier. Rassure-toi d'avoir amélioré ce dossier-là. Il y a des gens à qui on le dit. Il y a des gens aussi à qui on dit 3 mois, tout dépend de la gravité de ton dossier. Si on trouve que tu peux facilement réparer ce qui a fait en sorte qu'on refuse ton visa, si tu peux facilement trouver cela, tu peux revenir. Mais n'insistez pas sans avoir amélioré votre dossier. Ne partez pas aujourd'hui, vous repartez la semaine prochaine, alors que ce qui a fait en sorte qu'on refuse votre visa est encore là. Donc, les amis, c'est un peu cela. En tout cas, s'il y a une dernière question avant qu'on ne se prépare, peut-être après-demain. Après-demain, nous allons faire un autre live, mais ce live portera sur la développeurie. Donc, il y aura la développeurie. S'il y a aussi des gens qui sont intéressés par le visa de touriste et qui n'ont pas, peut-être, qui ont des questions, ou ceux qui vont venir regarder ce live-là après. Et qui auront des questions, vous venez également assister à tous les lives. Ça peut vous aider. Donc, s'il y a une dernière question avant qu'on ne se sépare, vous me dites. On va répondre. Parce que je vais pas vous retenir. Ça fait 1h30 qu'on a discuté. C'est important de discuter comme ça. Ça faisait déjà longtemps. Moi, j'avais même promis ne plus faire des lives sur YouTube. Parce que je trouvais que sur TikTok, ça passait plus facilement, on s'éclatait, quoi. Mais je veux que ce qu'on a réussi à faire sur TikTok, qu'on le fasse aussi ici. Donc, en tout cas, je sais au moins que quand je vais partir d'ici, Boubacar, Sylla, Blanchard, Amouzou, je sais qu'il y a des gens qui soutiennent la plateforme India Sec qui est là. Il y avait aussi Mihindu qui est encore. Sevi Soji, yes. Cédric Mihindu, yeah. Depuis le Gabon. Rassam Sondé. Abou Mbodji, yeah. Anastasie, yes. Ceux qui soutiennent la plateforme énormément. Syriac. Syriac est là, voix et parole. Oui, je ne vais pas oublier voix et parole quand même. Et Abdou. Abdou Ganiou, hein? Yes. En tout cas, donc les amis, if you have no more questions. Voilà, merci à Babacar Silla. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live, qui ont rendu ce live intéressant avec des questions importantes. De toute façon, si vous avez d'autres questions, c'est-à-dire après ce live-là, lorsqu'on va refaire un autre live, je prendrai toujours le temps de vous répondre sans pourtant hésiter quoi. Donc le live qu'on fera après-demain c'est Tuesday, yeah, mardi. On va laisser demain c'est lundi, yes. Après-demain c'est mardi. On va se retrouver et on va parler de développeurie. On pourra, ceux qui ont encore des préoccupations pour, comment on appelle, le visa touriste, vous pouvez toujours mentionner cela. Au niveau des documents, on donne des photocopies ou des... Si vous pouvez apporter des deux. En tout cas, il n'est pas là pour... Normalement, visa pour touriste, ils ne sont pas trop là pour prendre les originaux. Si vous pouvez apporter les copies et les originaux, juste pour qu'il fasse la comparaison, s'il veut bien voir ça. Donc, les amis, retenez, c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. La façon dont tu penses, ce sera la même façon dont tu pourras t'enrichir ou bien pourras avoir l'argent dans la poche. Si tu restes positif dans ta tête, tout deviendra positif. Le développement passe par le changement de mentalité. Si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, si tu hésites trop, si tu as des doutes, si tu as peur de tout et de rien, si tu pleurniches,
tu n'es pas un alligator. Un alligator ne pleurniche pas. Un alligator, c'est celui-là qui tombe, mais qui sait se relever. Un alligator, lorsqu'il tombe, il ne cherche pas, il n'attend pas que quelqu'un d'autre le relève, parce qu'il ne cherche pas à accuser quelqu'un. Lorsqu'il tombe, il cherche à se relever. Un alligator n'accuse personne. Un alligator, c'est celui-là qui sait s'adapter aux conditions. Les choses ne vont pas arriver de la manière dont nous les planifions. Comme je l'ai dit dans certaines vidéos, dans la vie, il y a 1% des choses qui vont arriver, 10%, disons-le, 10% des choses qui vont arriver sans que tu ne les aies planifiées. Il y a des choses qui, il y a des improvisations, il y a des choses qui arrivent dans notre vie comme ça. Mais il y a aussi 90% de ta réaction. Des choses, des mauvaises choses vont arriver, mais comment tu réagis? Tu vas avoir, la peur va venir t'envahir, mais comment tu réagis à la peur? Si tu restes solide, si tu restes positif, la peur va s'éloigner. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Ici, on doit être solide. Ne vous dites pas que parce que moi je suis ici, il m'arrive jamais d'avoir peur lorsque je veux faire quelque chose. La peur arrive à tout le monde. Ça saisit tout le monde. Mais comment nous la canalisons? Comment nous réagissons lorsqu'elle surgit? C'est ça le plus important. Il y a des gens qui passent leur temps à penser au passé, j'aurais dû faire ceci. Non, tu es déjà au présent. Prépare maintenant le futur. Les erreurs du passé te servent sûrement de leçon. Mais ce ne sont pas tes erreurs, ces erreurs-là qui doivent t'empêcher de continuer. Nous tous, on a eu un passé sombre. Mais on ne peut pas réserver ce même passé à nos enfants. On doit se battre. Donc, les amis, c'était un grand plaisir de vous avoir ici, d'échanger avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'espère que même ceux-là qui ont assisté au live, lorsqu'ils vont partir, ils peuvent toujours venir regarder ce live. C'est ce qui est le plus important par rapport à TikTok. Puis TikTok va couper le live en plusieurs morceaux. Ce n'est pas bien. Ici, vous aurez toujours la possibilité de venir regarder et de commenter. Donc, on se dit après-demain, si plaît à Dieu. C'était le général.